pas de mots pour dire le Seigneur merci. Et nous profiter de Nico ça pour que nous saluions. Et non seulement toute équipe là, et Pasteur Karl et sa famille, et puis tous nos bien-aimés, de près et de loin, nous saluons. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Content matin pour que nous joignent. Nous sommes au 11e jour, dans le 4e mois, que nous baptisons mois du bonheur. C'est le mois fait du bonheur chrétien. Que nous joignent dans Proverbe chapitre 13, verset 21. Qui enseigne nous, le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Nous profitons de Mikoa pour nous saluer et remercier chaque prédicateur qui était médité avant nous. Je dis toujours bon pour nous faire ça parce que c'est eux-mêmes qui fait le travail de titan. Pasteur Karl nous dit merci à vous. Jacques Saint-Louis, notre ami à nous, du côté de Canada. Nous saluons vieux frères. Et Sœur Myrta, qui était prêchée et dernièrement. Nous était vive de méditation. C'était vraiment un goût. Et il a aidé nous à vraiment avancer avec thématique là. Bien aimé, c'est tout dans la même optique là, dans la même vision. Hein. C'est même point commun. Ni pas l'autre bagage, sinon que annoncer, prêcher, Christ crucifié. Bien aimé, thématique, ça a aidé nous à comprendre. Il y a un parallélisme. Et le joindre avec malheur, bonheur, les nous prend, et puis récompense, et puis nous prend péché, et puis juste. Et bien-aimé, notre Seigneur, il a tout payé pour nous à la croix. Et certainement, moi avec vous, n'ont pas gagné dette parce qu'ils payaient pour nous. Et Esaïe, là le plus loin pour le montrer nous ça, pour dire nous, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures et par ses blessures que nous sommes guéris. Et les noms gardés, table ça, nous pour comprendre premier Adam, il vini avec désobéissance, il a accouché désobéissance, il a accouché péché, le fait que le désobéit, et certainement il épousait également la condamnation et la loi l'obligeait à entrer pour le trancher et du coup, la mort. Et le second Adam, le dernier Adam, à savoir notre Seigneur, le crucifié, l'immolé, il vint avec obéissance, il vint avec justice, comme remède péché. Et il vint avec justification, comme remède condamnation. Et il vient avec la grâce hein, pour être capable de mettre en déroute la loi. Et il vient avec la vie. Et pour dire, c'est la vie à même. C'est chemin, c'est vérité. Et la mort, certainement, dans les jours qui viennent, nous aurons à questionner la mort. On prend bien la vie, Zoé. Ça, que nous jouons dans Jésus-Christ. Matin, bien-aimé, nous pourrons comprendre que
Bon Dieu pas fait plan malheur pour nous, mais fait plan bonheur pour nous. Et c'est pas pour cette raison, dans le prophète Jérémie, il a si bien dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Là, c'est notre question et texte, nous, ouais, bon Dieu fait projet, un projet de bonheur, un projet de paix et de bonheur. Et dans le psaume 23, Salmis avra dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Nous pourrons comprendre fort bien, bien aimé, matin, nous gagnons raison d'être pour nous faire un distinguo de malheur et de bonheur. Et quel bonheur! Ah, Paul Pradi, ah, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons Christ, nous sommes les plus malheureux. C'est Alléluia. Moi avec vous, nous pourrons comprendre que vie ça, bonheur ça, c'est un bonheur passager. Bonheur que nous est là, que nous avons constaté là, son bonheur éphémère. C'est un bonheur non durable. L'en pral garder thématique grecque là, l'en pral aider nous pour comprendre bonheur là, il y a deux mots grecs qui aident nous pour comprendre, bien aimé. Premier mot grec là, librazim et oudoro. Là, dans le bras, je une prospérité, prospérer, bonheur. Et l'autre mot grec là, c'est makarios. Et je vais jouer un résultat bonheur là, en dans lui. Et m'bral jouen, c'est qui ça? Il va faire implication surtout, non seulement à bonheur, mais il va faire implication à prospérité. Prospérité, bien aimé. Oh, si nous t'as analysé, dans troisième épître, Jean, chapitre 1er, verset 2, il va dire, Jean, pral di à Gaïus, bien-aimé, mon bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme l'État, et sois en bonne santé, excuse-moi, et sois en bonne santé, comme l'état de ton âme. Alors, matin, non, texte ça, pral aider me comprendre, non seulement moi, bonne santé, ya, mais moi, on l'esprit de prospérité là-dedans, qui fait implication à ça, c'est l'abondance, ou du moins une augmentation de richesse. C'est vrai. Ah, nous, ouais, dernièrement, nous avons analysé et texte ça, que nous avons joué deux parties ça, corps là, et puis avec nom. Et il dit, c'est pourquoi nous ne perdons point courage. Et lors même, notre homme extérieur se détruit. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Là, nous jouons un homme là. Nous jouons un homme intérieur là. Est-ce que nous pouvons parler de bonheur? Est-ce que nous pouvons parler de prospérité? Si non moins pas de relation ou du moins pas d'intimité avec le Seigneur, ça faut nous questionner texte là. Et le Seigneur pas de problème avec prospérité, il pas de problème avec abondance, il pas de problème avec richesse. Mais matin, comment est-ce que
nous besoin pour nous questionner ça. Les mal regarder l'autre mot grec là, pour aller de me comprendre. Et qui ça lié, c'est Talaï Poria. Et la donne va jouer une privation. La donne va jouer une calamité. La donne va jouer une misère. La donne va jouer un désastre. La donne va jouer une catastrophe, bien aimé. Et c'est ça malheur là même, il a annoncé. Vous comprenez? Et mon malheur là, et si nous avons épousé le tout avec un esprit, on prend bien, et interjection, un chagrin, et maté ça, je dis ça, et on nous estime dans quelle situation que nous mouillons. Vous comprenez? Est-ce que ou pas ouais bon Dieu voulait échapper de nos privations, de nos calamités? Est-ce qu'ou pas bon Dieu voulait échapper de misère? C'est sans ouais je dis sans ouais je dis pas ça. Bon Dieu voulait échapper de nos catastrophes. Bon Dieu voulait échapper de nos désastres qui pouvaient venir sur nous. Et ça fait et nous si notre question est bonheur ça vaut comme ça. Nous sommes capables de dire tout bonheur, c'est bonheur, mais tout bonheur, pas même. Et l'impression de ce texte est de nous comprendre que, dernièrement, notre bien-aimé, Jacques, c'est lui, il était épousé. Et peut-être ça, qu'il t'a accroché avec bonheur là, le bonheur parfait. Et même quoi, c'est bonheur ça qu'on a cherché. Oh! Et l'un pour comprendre, bien-aimé, Job, et dans l'interrelation avec le Seigneur, et bon Dieu pourra compter sur Job. Bon Dieu pourra compter son serviteur, parce que le bonheur ça que Job te gagne, c'est ton bonheur passager, c'est ton bonheur éphémère, c'est ton bonheur non durable. À tel enseigne, madame, il te croit dans le bonheur ça. Mais Job t'a cherché un bonheur parfait, la caille du Seigneur. Oh, et dans Job chapitre 2, verset 9, et la femme de Job, elle a eu à dire à Job, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. Les madans Job ouais salte gagné yo. On prend bien yo dévasté catastrophe passée. Et là avec yo Job obligé madans Job obligé on prend bien la interroger Job pour le maudit bon Dieu là. Et Job dit non. Mathieu bien-aimé, nous obligés, c'est ça, oui, pas oublier que moi avec vous, nous avons double nationalité. Non seulement nous sommes citoyens terrestres, mais nous sommes citoyens célestes. Nous n'avons pas qu'à accrocher avec bonheur ici-bas, puisque bonheur, ça y est, c'est bonheur côté rouille, pour le manger, côté rouille, pour le détruire, côté catastrophe du feu. Pour finir avec eux, mais bonheur pour nous chercher pour nous. Non, moi, mais c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est bonheur ça, c'est bonheur parfait ça. Moi, que Dieu pas moins, probablement Dieu partout. Moi, mais à l'unisson, on prend mais et d'une seule voix pour nous dire que c'est bonheur parfait à moi. Pas oublier dans Deutéronome 28, bon Dieu t'a demandé. Haïtien pour le choisir. Bon, mais qui bonheur livré? Est-ce que c'est bonheur passager hein? Ou bien bonheur ou bonheur parfait? Hein? Demande pour choisir. Maintenant, nous inviter à chaque monde qui souligne ça pour choisir. Vous prenez bonheur parfait, hein? Vrai bonheur là. Parce que l'autre bonheur là, c'est un faux bonheur.
lié, son bonheur non durable. Oh, et nous pouvons comprendre dans l'épître aux Romains, chapitre 3, verset 16, à 18, il peut aller de me comprendre que, il peut dire que, dans verset 16, il peut dire en fait, soit la destruction et le malheur, on prend bien, sont sur leur route. On prend bien, alors ça, c'est style à ça, on prend bien, qui a accroché, c'est style à ça, que malheur a poursuivi, moins que cap demeurer dans le péché. Moi mais yo dit malheur, yo dit destruction, calamité, yo dit que ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Moi mais ils ne connaissent pas si la ça yo pas connaît chemin la paix, yo pas connaît le chemin bonheur parfait. Oh, la crainte n'est pas devant leurs yeux, verset 18 là. Dans Romains chapitre 3, verset 18 là. Il dit la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Alors, mon cap cherche bonheur parfait, c'est pour vivre dans la crainte, dans le respect, dans la révérence de la parole de Dieu. Et ce n'est pas pour ça raison, Salmi Sambra dit, dans Somme 34, 8, il dit, l'œil de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Oh, Matéen, bon Dieu, invitez-nous, Matéen, pour que nous vivions dans la crainte, pour vivre dans le respect, pour vivre dans la sanctification. Et ce n'est pas pour cette raison que bon Dieu pourrait choisir dans Jacques, au moins chapitre 2, il pourrait choisir Abraham, il pourrait dire Abraham, c'est la famille. Et dans Somme 25, verset 14, il pourrait dire l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Maintenant, si nous voulons gagner bonheur ça, si nous voulons accrocher avec bonheur parfait ça, vrai bonheur là, nous obligeons une façon pour nous y avoir un comportement, une attitude que nous devons gagner face à la parole de Dieu. Et nous invitons à chaque bien-aimé frère et soeur, au matin, au bonheur ça, au machine pas qu'à faire pour ça un bonheur, au caille pas capable de faire ça avec un bonheur. On prend bien, c'est bonheur ça, c'est bonheur moins éphémère que hier. Madame petite, non, mais vrai bonheur là, c'est avoir Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur, parce que c'est lui-même qui donne nous la vie et la vie éternelle. Matin, bien-aimé, nous demandons à chaque bien-aimé, soulignant, oh, pour faire choix de bonheur ça. Oh, c'est pas pour ce raison, Paul, il prend dit, oh, chrétien, et Roméo, et dans l'épître au chapitre 12, il verset premier et deux, il prend dit, voici, je vous exhorte donc, frère, man, à offrir vos corps par les compassions de Dieu, hein, au moins de mai, et comme un sacrifice vivant, de saint et agréable, ce qui sera moins un culte raisonnable. Oh, offrir corps, c'est tout corps où, au moins de mai, c'est tout corps pour bail, tout homme, tout être où, au moins de mai, pour servir mon Dieu, ma terre. Ou doit dédier corps, ou dédier corps, ou doit un corps vivant, un corps sain, un corps qui est agréable pour le culte, pour le service de Dieu. Et c'est ça, bon, d'après chercher la caillou, au point de que, maman, dans la lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, il pourrait dire que la paix de Dieu vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, moi-même, soit conservé irréprochable, moi-même, l'esprit, l'âme et le corps, hein, lors du retour, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, matin, moi-même, mon qui, moi-même, avant qu'à faire attendre,
matin, nous même capables d'attendre vraiment à bonheur par faire ça matin, nous devons sanctifier l'âme, nous devons sanctifier l'esprit, nous devons sanctifier, nous devons prospérer matin, nous devons prospérer, on prend bien l'esprit, nous devons prospérer, on prend bien. C'est pour nous chercher abondance de grâce, abondance de puissance, abondance de sanctification, la caille du Seigneur. Et c'est ça le Gloire Seigneur, attend la caille nous, au bon mais c'est ça pour nous chercher, au bon mais moi-même comprendre, il ne va pas oublier, la seule et vraie richesse que nous gagnons, c'est l'évangile là, que nous gagnons, c'est la foi que nous gagnons, et ce n'est pas pour sans raison. Au bon mais et texte Abraham dit non là dedans puisque non seulement fait li gon parallélisme li gon mais là dedans li au bon mais li gagnent li gon contraste là dedans li au bon mais il dit mais le bonheur récompense les justes au bon mais et Paul pral répond pral dit car je n'ai point honte de l'évangile il dit car c'est une puissance pour le salut de quiconque du juif premièrement et du grec, hein, parce qu'on lui est révélé la puissance de Dieu par la foi et pour la foi, le juste Alléluia. Vivra par la foi. Amen. Oh, et c'est ça, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh, la foi est une ferme assurance, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Oh, la foi, c'est plus grand trésor qu'on gagne. L'évangile là, c'est plus grand trésor qu'on gagne. Si moi-même nous aspirer pour nous atteindre vraiment apogée ça, en fait, qui est le bonheur parfait, on prend bien, nous obligés de conjuguer tout effort, nous obligés de conjuguer nom, non, on prend bien corps, nous, l'esprit, non, nous devons soumettre, nous obéir à la vie, nous, bon Dieu, nous devons soumettre la vie, nous, bon Dieu, nous devons résister. Et vraiment, à ennemi, hein, parce que le plan de l'ennemi, au moins, mais c'est pour condamner nous. Le plan de l'ennemi, c'est pour nous conduire nous vers l'enfer éternel. Et tandis que le Seigneur, il fait plein de bonheur parfait pour nous. Il fait plein du salut pour nous. Il fait plein de délivrance pour nous. Matin, si au monde qui pourquoi accepter le Seigneur, nous inviter au matin pour entrer la caille, mon Dieu, pour conjuguer la vie, oh, pour remettre la vie au Seigneur. Oh, bien-aimé. Gen okasyon moun pa ka rate bien aimé, gen kèkè okasyon moun, ou pran ou pa ka rate la kay le Seigneur, pa mouri sans bon Dieu bien aimé, c'est pi gros péché moun kapab fè, c'est pou gros c'est pi gros crime moun kapab fè, lorsque ou minimiser ou banaliser ou rejeter le sang de Jésus-Christ qui a été coulé pour nous sur le bois du calvaire, c'est voilà pourquoi matin ou besoin de prendre décision ça pour soumettre la vous au Seigneur. Ou besoin de remettre la vie, ou besoin de remettre le corps, ou besoin de remettre l'amour, ou besoin de remettre l'esprit, ou bien, mon Dieu. Oh, alléluia. Et ce n'est pas pour ça raison dans le texte, dans même épitome, il dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, par l'esprit avec l'intelligence. Oh, matin, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu, matin? Mais volonté, bon Dieu, matin, c'est pour obtenir vraiment, et moi, c'est pour gagner, c'est pour atteindre vraiment le bonheur. Le bonheur parfait, le vrai bonheur. Matin, vous comprenez bien? Et quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait, bonheur parfait, hein? Bonheur agréable, hein? Bonheur bon, hein? Vrai bonheur là. Et c'est ça que le Seigneur voulait matin, hein? C'est ça qu'il voulait pour nous gagner, bonheur, ouais, hein? C'est pour ça, c'est pas bonheur que y est matin, hein? c'est pas pour cette raison que Jacques Pradi, pasteur Jacques Pradi, dans Jacques chapitre 5, hein? Il Pradi, c'est pas problème. Non, le gain avec riche là, mais le bras dit à vous maintenant, riche, on prend même pleurer, gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Oh,
li ba pasteur Jacques Bral di pleurer et gémissez, pleurer et gémissez, riche li dou pleurer et gémissez à cause des malheurs, à cause des calamités, à cause des catastrophes, à cause des misères qui viendront sur vous. Bon, Jacques pas de problème avec riche là. Oui, ou gen doit riche, mais ça va dépendre qui yon riche là. Est-ce que nan mou riche? Est-ce que nan mou a prospéré? Est-ce que nan mou donné? Est-ce que nan mou il y a abondance de grâce là dans lui? Et ça oui, et ça le Seigneur Jésus. Est-ce que corps a abondance de grâce? Est-ce que l'esprit a abondance de grâce? Oh, alléluia. Et là, dans le livre de la Révélation, au prend maintenant, dans chapitre 22, au prend le verset 12 là, au prend et je pourrais dire que, le Seigneur a, il gagne récompense là, dans Méli, il gagne salaire là, dans Méli, il gagne rétribution dans Méli, au prend pour bah, chaque monde, ça a mérité, oui? Et ça dit oui dans verset 12 là. Après ça dans verset 10 là, verset 10 11 là, il mandé non, il dit dans monde ça n'a vivre là, bonheur nous wa. Est-ce que nous pas wa des monde qui a souillé yo, il a souillé encore. Il dit monde qui est injuste yo, il a vienne plus injuste ça. Et mais il conseille, il dit juste là, monde qui juste c'est pour capable pratiquer la justice ça, monde qui saint, monde qui agréable là, c'est pour sanctifier Koli, c'est pour sanctifier Nami, c'est pour sanctifier l'esprit, oui. Parce que gagne un bagage qui réserve, oui. Mettre là, gagne rétribution, mettre là, gagne salaire là, mettre là, gagne récompense en amène, oui. Pour bah, chaque monde, ça a mérité, oui. Au matin, nous encourager au bien-aimé. Oh, puisqu'on fait choix de bonheur, pas fait ça. Et me croit, ce sera vraiment une bonne récompense. Ce sera vraiment un bon salaire. Ce sera vraiment fait une bonne rétribution. Mais c'est que matin, que chaque coup de matin, il prend une décision pour faire choix de ce grand bonheur, qui est le bonheur, ou du moins qui sera le bonheur parfait. Oh, matin, nous encourageons. Je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi pour donner à chacun ce qu'est son œuvre. Pour donner à chacun son salaire, sa rétribution, sa récompense. Jean, dans chapitre 4, l'Apocalypse, bon Dieu dit le monter. Le Seigneur dit le monter pour la monter l'Église là. L'Église a besoin de vivre d'une façon correcte, d'une façon bien. L'Église a dû plonger dans la sanctification. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, il dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes.